Le sens du monde doit être en dehors de lui. Dans le monde, tout est comme il est, et tout arrive comme il arrive. Il n'y a en lui aucune valeur, et si on avait une, elle serait sans valeur. Car la valeur de la valeur dépend de tout ce dont elle dépend et de sa valeur. Ein Sinn kann nur außerhalb der Welt liegen und nicht in ihr. Er wäre wertlos, denn in ihr ist alles, wie es ist und kommt, wie es kommt. Der Wert des Werts hängt ab, wovon er abhängt. S'il y avait une valeur qui avait de la valeur, elle serait extérieure à tout ce qui arrive et à tout état particulier. Car tout ce qui arrive et tout état particulier est accidentel. Wenn es einen Wert von Wert gibt, dann unabhängig davon, was ist und geschieht. Denn beides ist zufällig. Ce qui le rend non accidentel ne peut être dans le monde, ce serait retombé dans l'accident. Was es nicht zufällig macht, kann nicht in der Welt sein, sonst fühle es zurück in den Zufall. Es muss draußen sein. C'est pourquoi il ne peut y avoir de propositions éthiques et les propositions ne peuvent rien exprimer de supérieur, nichts höheres. Also gibt es keine ethischen Voraussetzungen, die nichts Höheres ausdrücken können. Il est clair que l'éthique ne se laisse pas énoncer. Elle est transcendantale. Ethik lässt sich nicht formulieren, ist transzendental. Éthique et esthétique sont une seule et même chose. Ethik und Ästhetik sind eins. Ah. Si je dis que A a de beaux yeux, alors quelqu'un peut me dire, qu'est-ce qu'il y a de beau dans les yeux de A? Alors je peux répondre, leur couleur, leur forme en amande. La longueur des cils. La délicatesse des paupières, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ces yeux, en tout cas, ont en commun avec le quartier de Montmartre, que je trouve aussi beau? Devrais-je dire qu'il me provoque une impression semblable? Wenn ich sage, dass schöne Augen und man fragt, was daran schön sei, erwidert er Farbe, Mandelform, Wimpernlänge, Zartheit und so weiter. Was gleicht an Ihnen dem Viertel des Seefeld? Montmartre. 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 Was auch schön ist. Si quelqu'un dit que les yeux de A ont une expression plus belle que ceux de B, je dirais dans ce cas que cette personne n'utilise pas le mot beau pour se référer à tout ce qui est en commun avec tout ce que nous appelons beau. Au contraire, il joue avec le mot en le délimitant étroitement. Alors il se peut que dans l'esprit j'ai une définition particulière, voire restrictive, du mot beau. Aucunement. Wenn jemand sagt, meine A's Augen sind schöner im Ausdruck als B's, verwendet er schön nicht als etwas allem Gemeinsames. Er grenzt ein. Hat er etwa eine enge oder eigene Definition von schön? Gar nicht. Il devrait être le propre d'une langue d'être capable d'éviter de se référer à quelque chose en commun dans des cas comme ceci. Ça au moins c'est clair. Eine Sprache müsste vermeiden, sich in solchen Fällen auf Gemeinsames zu beziehen, das ist klar. Comme ses yeux.